Dans la série Les nuits du bout du monde, l'ORTF présente La dame pâle de Fontenay-aux-Roses. D'après Les mille et un fantômes d'Alexandre Dumas, dans une transcription radiophonique de Stéphane Pisella. Avec Evelyne Selena, Nathalie Nerval, Pierre Constant. De Stéphane Pisella. Voici le dernier chapitre du récit de la dame pâle de Fontenay-aux-Roses. Sans doute, vous souvenez-vous du début de cette histoire. Au cours d'un voyage dans les monts Carpates, la jeune femme est enlevée par une troupe d'hommes qui agissent en brigands et emmenée dans le château des Brancovan, où demeure, avec la princesse Smérande, leur mère, Kostaki, le ravisseur, et son frère Grégorichka. Les deux frères, qui se détestent, tombent amoureux de la jeune étrangère qui, de son côté, ne reste pas insensible au charme de Grégorichka. Cette rivalité amoureuse tourne en haine le sentiment d'aversion qui sépare les deux frères. Un soir, le cheval de Kostaki rentre au château sans son cavalier. Quelques instants plus tard, on retrouve son corps. Kostaki a été assassiné. Seule, la jeune femme a deviné le drame qui s'est joué et dont elle était l'enjeu. Dès lors, la vie pour elle devient un cauchemar au château des Brancovan. Et ce cauchemar commence le soir même des obsèques de Kostaki. « Ce soir-là, dit la dame pâle, ce soir-là, accablée par les émotions de la journée, j'étais plus triste encore. » J'écoutais sonner les heures et je sentais une douce torpeur m'envahir au fur et à mesure que le temps envolé me rapprochait de l'instant où Kostaki avait dû mourir. J'entendis sonner les 3/4 après 8 heures. Alors, une étrange sensation s'empara de moi. C'était une terreur frissonnante qui courait par tout mon corps et le glaçait. Puis, avec cette terreur, quelque chose comme un sommeil invincible qui alourdissait mes sens. L'air me manquait, mes yeux se voilaient, j'étendis les bras et j'allais à reculons tomber sur mon lit.
J'entendais, lointain, un bruit de pas qui s'approchait de ma porte. Puis ma porte qui s'ouvrait. Et plus rien. Seulement je sentis une vive douleur au cou. Et je tombai dans une léthargie complète. Je me réveillais. Ma lampe brûlait encore. Je voulais me lever, mais j'étais si faible qu'il me fallut m'y reprendre à deux fois. J'éprouvais au cou la même douleur que pendant mon sommeil. Je me traînais en m'appuyant à la muraille jusqu'à la glace. Et je regardais. Quelque chose de pareil à une piqûre d'épingle marquait l'artère de mon cou. Je pensais que quelque insecte m'avait mordu pendant mon sommeil, et n'y prêtant guère plus d'attention, je me recouchai et m'endormis. Le lendemain, je me réveillai comme d'habitude. Comme d'habitude, je voulus me lever aussitôt que mes yeux furent ouverts. Mais j'éprouvais une faiblesse que je n'avais éprouvée encore qu'une seule fois dans ma vie, le lendemain d'un jour où j'avais été saignée. Je m'approchai de ma glace et je fus frappée de ma pâleur. La journée se passa triste et sombre. J'éprouvais une chose étrange. Où j'étais, j'avais besoin de rester. Tout déplacement était une fatigue. La nuit vint, on m'apporta ma lampe. Mes femmes, je le compris du moins à leurs gestes, m'offraient de rester près de moi. Je les remerciai, elles sortirent. À la même heure que la veille, j'éprouvais les mêmes symptômes. Je voulus me lever alors et appeler au secours. Mais je ne pus aller jusqu'à la porte. J'entendis vaguement le timbre de l'horloge sonnant 9h15. Les pas résonnèrent. La porte s'ouvrit. Mais je ne voyais, je n'entendais rien. Comme la veille, j'étais allée tomber renversée sur mon lit. Comme la veille, j'éprouvais une douleur aiguë au même endroit. Comme la veille, je me réveillais à minuit. Seulement, je me réveillais plus faible et plus pâle que la veille. Le lendemain encore, l'horrible obsession se renouvela. J'étais décidée à descendre près de Smérande, si faible que je fusse, lorsqu'une de mes femmes entra dans ma chambre et prononça le nom de Grégorichka. Grégorichka venait derrière elle. Je voulus me lever pour le recevoir, mais je retombai sur mon fauteuil. Il jeta un cri en m'apercevant et voulut s'élancer vers moi, mais j'eus la force d'étendre le bras vers lui. « Que venez-vous faire ici ? » lui demandai-je. Je venais vous dire adieu. Je venais vous dire que je quitte ce monde qui m'est insupportable sans votre présence. Je me retire au monastère d'Ohango. Ma présence vous est ôtée, Grégorichka, mais non mon amour. Hélas, je vous aime toujours, et ma grande douleur, c'est que désormais cet amour soit presque un crime. Alors je puis espérer que vous prierez pour moi, Edwige. Oui, seulement je ne prierai pas longtemps. Pas longtemps ?
Et qu'avez-vous? Et pourquoi êtes-vous si pâle? J'ai... Que Dieu prend pitié de moi, sans doute, et qu'il m'appelle à lui. Mais que voulez-vous dire? Grigorichka s'approcha de moi, me prit une main que je n'eus pas la force de lui retirer, et me regardant fixement... Et cette pâleur n'est pas naturelle, Edwige. D'où vient-elle? Si je vous le disais, Grigorichka, vous croiriez que je suis folle. Oh non, 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 je ne croirais pas que vous êtes folle. Je vous en supplie, dites-moi tout. Nous sommes ici dans un pays qui ne ressemble à aucun autre pays, dans une famille qui ne ressemble à aucune autre famille. Dites, je vous en supplie, dites tout. Je lui racontais tout. Cette étrange hallucination qui me prenait à cette heure où Kostaki avait dû mourir. Cette terreur, cet engourdissement, ce froid de glace. Cette prostration qui me couchait sur mon lit. Ce bruit de pas que je croyais entendre, cette porte que je croyais voir s'ouvrir, enfin cette douleur aiguë suivie d'une pâleur et d'une faiblesse sans cesse croissante. J'avais cru que mon récit paraîtrait à Grigorichka un commencement de folie, et je l'achevais avec une certaine timidité. Quand, au contraire, je vis qu'il prêtait à ce récit une attention profonde. Après que j'eus cessé de parler, il réfléchit un instant. Ainsi, vous vous endormez chaque soir à 9h-15. Oui. Quelques efforts que je fasse pour résister au sommeil. Ainsi, vous croyez voir s'ouvrir votre porte. Oui, quoique je la ferme au verrou. Ainsi, vous ressentez une douleur aiguë au cou. Oui, quoique à peine mon cou conserve la trace d'une blessure. Voulez-vous me permettre que je voie? C'est là. Oui. Edwige, avez-vous confiance en moi? Vous le demandez. Croyez-vous en ma parole? Oui, Grigorichka. Eh bien, Edwige, sur ma parole, je vous jure que vous n'avez pas 8 jours à vivre si vous ne consentez pas à faire aujourd'hui même ce que je vais vous dire. Mais si j'y consens? Si vous y consentez... Vous serez sauvé, peut-être. Peut-être? Vous ne répondez pas. Quoi qu'il doive arriver, Grigorichka, je ferai ce que vous m'ordonnerez de faire. Eh bien, écoutez. Et surtout, ne vous effrayez pas. Dans votre pays, comme en Hongrie, comme dans notre Roumanie, il existe une tradition. Mon Dieu. Vous savez ce que je veux dire? Oui. J'ai vu, en Pologne, des personnes soumises à cette horrible fatalité. Vous voulez parler des vampires, c'est bien ça? Oui. Dans mon enfance, j'ai vu déterrer dans le cimetière d'un village appartenant à mon père 40 personnes mortes en 15 jours, sans que l'on pût deviner la cause de leur mort. 17 ont donné tous les signes du vampirisme. C'est-à-dire qu'on les a retrouvés frais, vermeils et pareils à des vivants. Les autres étaient leurs victimes. Et que fit-on pour en délivrer le pays? On leur enfonça un pieu dans le cœur et on les brûla ensuite. Oui. C'est ainsi que l'on agit d'ordinaire, mais pour nous, cela ne suffit pas. Pour vous délivrer du fantôme, je veux d'abord le connaître, et de par le ciel, je le connaîtrai. Oui. Et s'il le faut... Je lutterai corps à corps avec lui, quel qu'il soit. Grigorichka. J'ai dit quel qu'il soit et je le répète. Mais il faut, pour mener à bien cette terrible aventure, que vous consentiez à tout ce que je vais exiger. Dites. Tenez-vous prête à 7 heures. Descendez à la chapelle. Descendez-y seul. Il faut vaincre votre faiblesse. Là, nous recevrons la bénédiction nuptiale. Il faut, pour vous défendre, que devant Dieu et devant les hommes, j'ai le droit de veiller sur vous. Nous remonterons ici, et alors nous verrons. Grigorichka, si c'est lui, il vous tuera. Ne craignez rien. Seulement, consentez. Vous savez bien que je ferai tout ce que vous voudrez, Grigorichka. Alors, à ce soir. Il sortit.
J'attendis 7 heures, offrant à Dieu et aux saints l'holocauste de mes pensées. Et je ne me relevai qu'au moment où sonnèrent 7 heures. J'étais faible comme une mourante, pâle comme une morte. Je jetai sur ma tête un grand voile noir. Je descendis l'escalier, me soutenant aux murailles, et me rendis à la chapelle sans avoir rencontré personne. Grégorichka m'attendait avec le père Basile, supérieur du couvent de Hangu. Il portait au côté une épée sainte, relique d'un vieux croisé qui avait pris Constantinople avec Ville-le-Hardouin et Baudouin de Flandre. La cérémonie commença. Jamais peut-être il n'y en eut de plus simple et de plus solennel à la fois. Nul n'assistait le pape. Lui-même nous plaça sur la tête les couronnes nuptiales. Vêtus de deuil tous deux, nous fîmes le tour de l'autel, un cierge à la main. Nous baisâmes les livres saints et nous sortîmes de la chapelle. Alors, pour la première fois, je m'appuyai sur le bras de Grégorichka. La vie revenait dans mes veines. Je me croyais certaine de triompher puisque Grégorichka était avec moi. Nous remontâmes dans ma chambre. 8h30 sonnait. Grégorichka tira de sa poitrine un buis béni tout humide encore et me le donna. Prends ce rameau. Couche-toi sur ton lit. Récite les prières à la Vierge et attends sans crainte. Dieu est avec nous. Surtout, ne laisse pas tomber ton rameau. Avec lui, tu commanderas à l'enfer même. Ne m'appelle pas, ne crie pas. Prie, espère et attends. Je m'étendis sur le lit, et tenant le rameau béni, je croisai mes mains sur ma poitrine. Quant à Grégorichka, il se cacha derrière le dais qui coupait l'angle de ma chambre. Je comptai les minutes. Et sans doute Grégorichka les comptait aussi de son côté. Les 3/4 sonnèrent. Le retentissement du marteau vibrait encore, que je ressentis ce même engourdissement, cette même terreur, ce même froid glacial. Mais j'approchais le rameau béni de mes lèvres et cette première sensation se dissipa. Alors, j'entendis bien distinctement le bruit de ce pas lent et mesuré qui retentissait dans l'escalier et qui s'approchait de ma porte. Puis ma porte s'ouvrit, lentement, sans bruit, comme poussée par une force surnaturelle. Et alors, j'aperçus Kostaki, pâle, comme je l'avais vu sur la litière. Ses longs cheveux noirs, épars sur ses épaules, dégouttaient de sang. Il portait son costume habituel. Seulement, il était ouvert sur sa poitrine et laissait voir une blessure saignante. Tout était mort. Tout était cadavre. Chair, habit, démarche, les yeux seuls, ses yeux terribles étaient vivants. À cette vue, chose étrange,
Au lieu de sentir redoubler mon épouvante, je sentis croître mon courage. Dieu me l'envoyait sans doute pour que je puisse juger ma position et me défendre contre l'enfer. Au premier pas que le fantôme fit vers mon lit, je croisai hardiment mon regard avec ce regard de plomb et lui présentai le rameau béni. Le spectre essaya d'avancer, mais un pouvoir plus fort que le sien le maintint à sa place. Il s'arrêta. Murmurant, épouvanté, « Malédiction. Elle ne dort pas. Le buis béni la protège. Elle sait tout. » Il parlait en moldave, et cependant j'entendais comme si ses paroles eussent été prononcées dans une langue que j'eusse comprise. « Elle n'est pas seule, la tenture bouge. Qui es-tu ? Montre dans ton visage. » Nous étions ainsi en face, le fantôme et moi, sans que mes yeux puissent se détacher des siens. Lorsque je vis, sans avoir besoin de tourner la tête de son côté, Grégorichka sortir de derrière la stalle de bois, semblable à l'ange exterminateur, et tenant son épée à la main. Il fit le signe de la croix de la main gauche et s'avança lentement, l'épée tendue vers le fantôme. Celui-ci, à l'aspect de son frère, avait à son tour tiré son sabre. « Ah, c'est toi qui te cachais dans sa chambre pour me guetter, toi, Grégorichka, mon frère qui m'a tué. Mais ce soir, je prends ma revanche. En garde, Grégorichka, défends-toi !» Mais à peine le sabre eut-il touché le fer béni que le bras du fantôme retomba inerte près de son corps. Kostaki poussa un soupir plein de lutte et de désespoir. Ah, tu as pris toutes les précautions, Grégorichka. Ton épée est bénie par les moines de Hango, et mon fer ne peut rien contre le tien. Notre combat est impossible, ma revanche est impossible. Alors parle, que me veux-tu ? « Au nom du Dieu vivant, je t'adjure de répondre. »« Parle !»« Est-ce moi qui t'ai attendu ?»« Non !»« Est-ce moi qui t'ai attaqué ?»« Non !»« Est-ce moi qui t'ai frappé ?»« Non !»« Tu t'es jeté sur mon épée, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, je ne suis pas coupable du crime de fratricide. »« Donc tu n'as pas reçu une mission divine, mais infernale. »« Donc tu es sorti de ta tombe, non comme une ombre sainte, mais comme un spectre maudit, et tu vas rentrer dans ta tombe. » Rentrer dans ma tombe, oui, mais avec elle. Seule, cette femme m'appartient. Et en prononçant ces paroles, du bout du fer béni, il toucha la plaie vive. Oh ! Kostaki avait poussé un cri comme si un glaive de flamme le transperçait, et portant la main gauche à sa poitrine, il fit un pas en arrière. En même temps, et d'un mouvement qui semblait être emboîté avec le sien, Grégorichka fit un pas en avant. Alors, les yeux sur les yeux du mort, l'épée sur la poitrine de son frère, commença une marche lente, terrible, solennelle, quelque chose de pareil au passage de Don Juan et du commandeur. Le spectre reculant devant son frère. Tous deux haletants, tous deux livides, le vivant poussant le mort devant lui et le forçant d'abandonner ce château qui était sa demeure dans le passé pour la tombe qui était sa demeure dans l'avenir. Oh, c'était horrible à voir, je vous jure. Et pourtant, mû moi-même par une force supérieure, invisible, inconnue, sans me rendre compte de ce que je faisais, je me levai et je les suivis. Nous descendîmes l'escalier, éclairés seulement par les prunelles ardentes de Kostaki.
Nous traversâmes ainsi la galerie, ainsi la cour. Nous franchîmes ainsi la porte de ce même pas mesuré. Le spectre à reculons, Grigorichka le bras tendu, moi les suivant. Cette course fantastique dura une heure. Au lieu de suivre le chemin habituel, Kostaki et Grigorichka avaient coupé le terrain en droite ligne, s'inquiétant peu des obstacles qui avaient cessé d'exister. Sous leurs pieds, le sol s'aplanissait. Les torrents se desséchaient, les arbres se reculaient, les rocs s'écartaient. Le même miracle s'opérait pour moi. Seulement, tout le ciel me semblait couvert d'un crêpe noir. La lune et les étoiles avaient disparu, et je ne voyais toujours dans la nuit briller que les yeux de flamme du vampire. Nous arrivâmes ainsi à Ango. Ainsi nous passâmes à travers la haie d'arbousiers qui servait de clôture au cimetière. À peine entrée, je distinguai dans l'ombre la tombe de Kostaki placée à côté de celle de son père. J'ignorais qu'elle fût là. Et cependant, je la reconnus. Cette nuit-là, je savais tout. Au bord de la fosse ouverte, Grigorichka s'arrêta. Kostaki, tout n'est pas encore fini pour toi. Promets-tu de rentrer dans ta tombe? Promets-tu de n'en plus sortir? Promets-tu enfin de vouer à Dieu le culte que tu as voué à l'enfer? Non. Te repens-tu? Non. Pour la dernière fois, Kostaki. Non. Tu l'auras voulu, Kostaki. À toi de te mettre en garde et voyons cette fois encore à qui restera la victoire. Les fers se croisaient tout jaillissant d'étincelles et le combat dura une minute qui me parut un siècle. Kostaki tomba. Je vis se lever l'épée terrible. Je la vis s'enfoncer dans son corps et clouer ce corps à la terre fraîchement remuée. Oh ! Un cri terrible qui n'avait rien d'humain passa dans l'air. Grigorichka était resté debout, mais chancelant. J'accourus et je le soutins dans mes bras. Êtes-vous blessé? Non. Mais dans un duel pareil, ce n'est pas la blessure qui tue. C'est la lutte. J'ai lutté avec la mort, j'appartiens à la mort. Ami, ami, éloigne-toi d'ici. Et la vie reviendra peut-être. Inutile. Ma tombe, Edwige. Mais ne perdons pas de temps. Prends un peu de cette terre imprégnée de son sang et applique-la sur la morsure qu'il t'a faite. C'est le seul moyen de te préserver dans l'avenir. J'obéis en frissonnant. Je me baissai pour ramasser cette terre sanglante. Et en me baissant, je vis le cadavre cloué au sol. L'épée bénie lui traversait le cœur, et un sang noir et abondant sortait de sa blessure, comme s'il venait seulement de mourir à l'instant même. Je pétris un peu de terre avec le sang, et j'appliquai l'horrible talisman sur ma blessure. Maintenant, Edwige, écoute bien mes dernières instructions. Quitte le pays tout de suite. Seule la distance est une sécurité pour toi. Le père Basile a reçu aujourd'hui mes dernières volontés et les accomplira. Edwige, je meurs. Toute autre circonstance,
au milieu de ce cimetière, près de cette tombe ouverte, avec ces deux cadavres couchés à côté l'un de l'autre, je fusse devenue folle. Mais, je l'ai déjà dit, Dieu avait mis en moi une force égale aux événements dont il me faisait non seulement le témoin, mais l'actrice. Au moment où je regardais autour de moi, cherchant quelque secours, je vis s'ouvrir la porte du cloître. Et les moines, conduits par le père Basile, s'avancèrent deux à deux, portant des torches allumées et chantant les prières des morts. Le père Basile venait d'arriver au couvent. Il avait prévu ce qui s'était passé. Et à la tête de toute la communauté, il se rendait au cimetière. Il me trouva vivante, près des deux morts. Kostaki avait le visage bouleversé par une dernière convulsion. Grigorichka, au contraire, était calme et presque souriant. Comme l'avait recommandé Grigorichka, on l'enterra près de son frère, le chrétien gardant le damné. Smerand, en apprenant ce nouveau malheur et la part que j'y avais prise, voulut me voir. Elle vint me trouver au couvent de Hango et apprit de ma bouche tout ce qui s'était passé dans cette terrible nuit. Je lui racontai dans tous ses détails la fantastique histoire. Mais elle m'écouta comme m'avait écouté Grigorichka, sans étonnement, sans frayeur. Lorsque j'eus terminé, elle resta un long moment sans parler, puis elle me prit la main. Edwige, si étrange que soit ce que vous venez de raconter, vous n'avez cependant relaté que la vérité. Il y a une chose que vous avez ignorée. C'est que la race des Brankovan est maudite. Maudite jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Cela parce qu'un Brankovan a tué un prêtre. Mais le terme de la malédiction est arrivé. Car quoi qu'épouse, votre mariage n'a pas été consommé. Et en moi, la race s'éteint. Si mon fils, Grigorichka, vous a laissé sa fortune, prenez-la. Après moi, à part les laits que je compte faire, vous aurez le reste de ma fortune. Maintenant, suivez le conseil de votre époux. Retournez au plus vite dans les pays où Dieu ne permet point que s'accomplissent ces terribles prodiges. Je n'ai besoin de personne pour pleurer mes fils. Ma douleur demande la solitude. Adieu. Mon sort n'appartient plus qu'à moi. Et adieu. Adieu, Edwige. Et m'ayant embrassé sur le front comme d'habitude, Smerand me quitta et vint s'enfermer au château des Brankovan. 8 jours après, je partis pour la France, comme l'avait espéré Grigorichka. Mes nuits cessèrent d'être fréquentées par le terrible fantôme. Ma santé même s'est rétablie, et je n'ai gardé de cet événement que cette pâleur qui accompagne jusqu'au tombeau toute créature qui a subi le baiser d'un vampire. Thank you.
La dame pâle s'était tue. Minuit sonna. Et j'oserais presque dire que le plus brave de nous tressaillit au timbre de la pendule. Il était temps de se retirer. Nous prîmes congé de M. Ledru. Un an après, cet excellent homme mourut. C'est la première fois que, depuis cette mort, j'ai l'occasion de payer un tribut au bon citoyen, au savant modeste, à l'honnête homme surtout. Je m'empresse de le faire. Je ne suis jamais retourné à Fontenay-aux-Roses, mais le souvenir de cette journée laissa une si profonde impression dans ma vie. Mais toutes ces histoires étranges qui s'étaient accumulées dans une seule soirée creusèrent un si profond sillon dans ma mémoire qu'espérant éveiller chez les autres un intérêt que j'avais éprouvé moi-même, je recueillis dans les différents pays que j'ai parcourus depuis 18 ans, c'est-à-dire en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Sicile, en Grèce et en Angleterre, toutes les traditions du même genre que les récits des différents peuples firent revivre à mon oreille, et que j'en composais cette collection que je livre aujourd'hui à mes lecteurs habituels, sous le titre « Les mille et un fantômes ». Dans la série Les nuits du bout du monde, vous venez d'entendre La dame pâle de Fontenay-aux-Roses, d'après Les mille et un fantômes d'Alexandre Dumas, dans une transcription radiophonique de Stéphane Pisella, avec Evelyne Selena, Nathalie Nerval, Pierre Constant. Prise de son Robert Pierrel, collaboration technique Yann Parentoen, assistante Suzanne David. C'était Les nuits du bout du monde, une émission de Stéphane Pisella.